Coup dur pour Bernard de la Villardière. En plein tournage d'un numéro d'enquête exclusive, le présentateur de M6 s'est vu refuser l'entrée sur le territoire vénézuélien, révèle Télé Loisirs. Avant de s'envoler pour Caracas, l'équipe de l'émission avait, comme le veut la règle, demandé des visas. Mais ces visas de travail leur auraient été refusés par le consulat. Bernard de la Villardière et son équipe de journalistes ont tout de même décidé de se rendre au Venezuela en se faisant passer pour des touristes. Malheureusement pour eux, à leur arrivée à l'aéroport de Caracas, l'équipe d'enquête exclusive n'a pu dépasser la douane. Il semblerait que leur nom figurait sur une liste de personnes interdites sur le territoire, révèle Télé Loisirs. Seul l'un d'entre eux a été autorisé à passer les contrôles, les autres ont dû rebrousser chemin et remonter dans un avion. Fort heureusement, une grande partie de l'émission qui sera diffusée le 29 janvier prochain sur la crise que traverse actuellement le Venezuela avait déjà été tournée il y a plusieurs mois.